appel à l'adoration. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa bonté durera toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. Ce matin, te remercier pour cette sainte convocation. Te remercier pour le sacrifice de ton Fils Jésus qui nous permet aujourd'hui d'espérer. Merci pour ton Esprit Saint qu'il ouvre nos cœurs à l'influence de ta parole. Nous t'avons prié en son nom et pour ta seule gloire. Amen. Amen. Serviteurs de l'Éternel, bonjour. Bon sabbat à tous. Louons le nom de l'Éternel, nous, serviteurs de l'Éternel, faisons retentir aujourd'hui nos voix, nos instruments, ouvrons nos cœurs et rendons-lui gloire. Bienvenue à tous. Pour commencer, nous allons chanter tous ensemble et rendre gloire à Dieu au numéro 605 de notre hymne et louange. Le numéro 605. Après la première strophe, quelques paroles du psaume 19 vont nous être lues. Après la deuxième strophe, quelques paroles du psaume 150 vont nous être présentées et nous reprendrons la première strophe. Louez l'Éternel en tout lieu. L'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Unissez vos plus belles voix, et la trompette et le hautbois. Faites résonner tour à tour, et la musette et le tambour. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez l'Éternel en tout lieu, lui qui créa le firmament. Louez, louez-le constamment. Louez-le jusque dans les cieux. Je vous invite maintenant à écouter la lecture de la Bible tirée de 2 Chroniques 5, les versets 2 et 13.
Alors Salomon assembla à Jérusalem les anciens d'Israël et tous les chefs des tribus, les chefs de famille, des enfants d'Israël, pour transporter de la cité de David, qui est Sion, l'arche de l'alliance de l'Éternel. Et lorsque ceux qui sonnaient les trompettes et ceux qui chantaient s'unissant d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments, et célébrèrent l'Éternel par ses paroles. Car il est bon, car sa miséricorde dura toujours. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Amen. Amen. Nous allons nous prosterner en prière. Seigneur, nous voici prosternés devant toi. Nous sommes heureux en ce matin parce que tu nous as donné le souffle de vie. Nous sommes entrés enfin dans ton sabbat. Ce sabbat qui est la marque de la création, qui est la marque de la présence de Jésus-Christ, notre Rédempteur, qui est la marque de la promesse que tu nous as faite de revenir et de nous permettre de vivre avec toi dans l'éternité. Merci Seigneur pour ce sabbat. Tu nous demandes en ce jour particulier de nous souvenir que ce jour a été consacré. Merci pour le rappel que tu nous fais chaque sabbat. En ce matin, j'aimerais te prier particulièrement pour les personnes qui n'ont pas pu venir. Ces personnes souffrent, sois avec elles. Console-les, entoure-les de ton amour. Il y a des personnes aussi qui sont présentes ici, mais qui souffrent spirituellement, physiquement. Je te demande en ce matin, Seigneur, de les entourer aussi. Ce matin, nous sommes venus pour t'adorer, Seigneur. C'est un culte d'adoration, nous venons te rendre gloire. Je te demande particulièrement d'assister celui qui aura le message à nous transmettre, à savoir Fred Plumin. Accorde-lui une grâce particulière de manière à ce qu'il puisse nous transmettre ce message important qui est celui de savoir comment adorer. En ce matin, je te prie aussi pour nos dîmes et nos offrandes. Permets que la distribution qui en sera faite soit à bon escient, de manière à ce que ton évangile soit prêché de par le monde. Je te prie en ce matin particulièrement pour les personnes qui nous visitent, les personnes qui sont venues partager avec nous ce repas. Sois avec elles, accompagne-les et réconforte-les dans le cheminement qu'elles ont. Seigneur, aujourd'hui, nous allons chanter. Donc nous allons te prier deux fois. Nous allons exprimer et faire monter vers toi nos louanges. Alors en ce matin, à toi soit la gloire, à toi soit la puissance, à toi soit pour l'éternité, dans les siècles et des siècles. Amen. Le seul moyen que Dieu ait établi pour faire avancer sa cause, c'est de répandre ses bienfaits sur les hommes. Il leur envoie le soleil et la pluie, il fait pousser les plantes, il donne la santé et l'intelligence pour acquérir des biens. Tout ce que nous possédons provient de sa main libérale. En retour, il voudrait que les hommes et les femmes montrent leur gratitude en lui rendant une partie sous forme de dîmes et d'offrandes. Offrandes de reconnaissance, offrandes volontaires et sacrifices expiatoires.
Ce titre est tiré du livre de témoignages, volume 2, page 44. Les diacres et les diaconesses passeront dans les rangs afin de recueillir les dîmes et les offrandes. Tandis que les diacres et les diaconesses passent dans les rangs, nous écouterons attentivement un morceau de musique qui nous sera présenté par Marie-Laure Berchel au violon. Le bleu fonctionne. Pierre, active le mini jack. Thank you.
Nous disons Amen. Dieu a donné à ses enfants des dons et talents et ce matin, nous sommes venus aussi pour dire ce que Dieu a fait pour nous. Nous bénissons Dieu au cantique 157 que je vous invite à chercher. Déjà, ce culte de louange, nous allons le faire nous-mêmes en fait. C'est l'assemblée, c'est vous, c'est nous qui allons participer à ce moment où nous dirons à Dieu notre grand amour. Car c'est cela l'adoration. Nous bénissons Dieu car il est notre Père. La source de notre force et la force de nos vies. Nous bénissons Dieu car l'Esprit nous garantit la sécurité spirituelle et l'unité de la foi. Nous voulons remercier Dieu d'être présent en ce matin. Nous allons nous lever et chanter ensemble les paroles du cantique 157. Bénissons Dieu par nos cantiques. Exaltons-le d'un même cœur. Levons-nous. C'est sa main qui nous a fait naître. Nous sommes son peuple. Les sœurs répondent. Le troupeau que lui seul doit paître et qu'il comble de ses bienfaits. Ensemble, disons. Louons, chantons, louons le grand nom du Seigneur. Louons, chantons. Ensemble, donnons gloire au Père qui des cieux nous a visités, au Sauveur qui sur le calvaire par son sang nous a rachetés. Louons, chantons, louons le grand nom du Seigneur. Louons, chantons, louons notre Dieu et notre Père. Louons, chantons, chantons, louons le grand nom du Seigneur. Louons, chantons, chantons, louons notre Dieu et notre Père. Messieurs, à vous. Reçois, ô Dieu, notre humble hommage, reste à jamais notre secours. Ton amour dure d'un jour en âge, ta bonté subsiste à toujours. Ensemble. Louons, chantons, louons, chantons, louons le grand nom du Seigneur. Louons, chantons, chantons, louons notre Dieu rédempteur. Je vais vous inviter à vous asseoir et vous inviter à dire pourquoi vous êtes présents aujourd'hui dans la maison du Seigneur. Que sommes-nous venus faire dans cette maison? Je pense que vous vous doutez de la réponse, mais nous la trouvons dans le recueil célébré, n'est-ce pas? Sous la forme du chant qui nous dit « Nous venons dans ta maison ». Juste que les paroles apparaissent à l'écran. Certains connaissent déjà ce chant car ils savent que l'Église adventiste a pris l'initiative de créer un nouveau recueil. Voilà, nous aurons la chance de découvrir ces quelques paroles. Nous venons dans ta maison, pour quoi faire? Pour t'adorer. Il y en a qui connaissent déjà? Deux ou trois personnes? Eh bien, ça sera l'occasion de dire au Seigneur pourquoi nous sommes là. Mmh.
Nous sommes là. Nous sommes là, tous rassemblés pour te louer, mon Dieu. Reçois nos chants et nos prières qui montent jusqu'à toi. Remplis, Seigneur, de ta présence, Seigneur. Nous allons dire ça à nouveau, Seigneur. Nous sommes là. Nous venons dans ta maison pour t'adorer, Seigneur. Nous sommes là, tous rassemblés pour te louer, mon Dieu. Reçois nos chants et nos prières qui montent jusqu'à toi. Remplis, Seigneur, de ta présence, Seigneur. Deux fois, remplis ce lieu. Remplis, Seigneur, de ta présence, Seigneur. Là, ce que nous demandons au Seigneur, nous lui demandons de remplir ce lieu de sa présence, car alors qu'il se trouvait parmi nous, il nous a appris à le prier. Il nous a appris à demander ce que réclament nos cœurs. Et chaque jour, nous nous adressons à lui, nous lui demandons de nous accorder ses grâces particulières. Et ce matin, avant d'aller plus loin dans notre adoration, j'aimerais nous inviter, inviter chacun à méditer sur ces quelques paroles qu'il nous a laissées à travers ce moment de réponse qu'il fait à ses disciples. Voyant que Jésus, le Fils de Dieu, est constamment en compagnie de son Père, les disciples se sont trouvés quelque peu intrigués. Et pour nous, et en notre nom, c'est-à-dire au nom de ceux qui viendraient par la suite, les disciples se sont permis de demander à Jésus de leur apprendre à prier. Au moment où Jésus répond à cette demande, quelque chose de particulier se passe. Et les disciples découvrent que ce que Dieu attend de nous, c'est que nos demandes soient simples, qu'elles soient marquées au coin d'une certaine confiance dans le fait que celui que nous prions répondra, que celui que nous invoquons à chaque fois sera présent avec nous et nous donnera cette satisfaction particulière que nous attendons. Avec Marie-Laure, nous allons essayer, quelques instants, de retrouver ce moment béni et nous vous demandons de vous mettre dans la position de la prière, assis à vos places, car parfois on peut le faire au bureau, parfois on le fait, on prie, nous prions notre Père, dans des circonstances très inattendues, mais en toutes circonstances, nous savons que notre Père Céleste nous répondra toujours. Normalement, ça vient. Ça y est.
est dans les cieux. Qui est dans les cieux. Que ton nom soit. Donne-nous aujourd'hui notre pain. Donne-nous aujourd'hui notre pain. Paix. Et pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aux autres. Nous pardonnons aux autres. Mais délivre-nous du malin. Car à toi soit le règne, la puissance, et la gloire, au siècle des siècles. Soit le règne, la puissance et la gloire au Père. Que le nom de Dieu soit glorifié pour ce qu'il fait dans nos vies. Nous voulons ce matin, dans ce moment d'adoration, lui présenter nos attentes et lui dire combien nous sommes heureux que son nom soit présent dans nos vies. Nous sommes heureux que son nom soit présent dans nos familles. Nous sommes heureux que son nom soit présent partout où nous nous trouvons. Alors nous allons le dire chacun à nos places. Nous prenons nos cantiques au numéro 520 et nous dirons ce que le nom de Jésus représente pour nous. Car il est un baume qui guérit les cœurs brisés. Le nom de Jésus panse les blessures. Il soutient les malheureux. 520. Disons ce chant d'amour. Le nom de Jésus est si doux. Sois
Entendre seul, dire la troisième strophe. Vous êtes plus nombreux que ça. Un peu plus fort. Qu'est-ce qu'il répond? Tous ensemble. Jésus, béni soit ton nom, oui, Seigneur. Jésus, envers nous ton. Jésus, suprême rançon. Sois adoré pour toujours. Mais le jour viendra où toute voix à ton appel dira sur terre et dans le ciel et si je compte Jésus avec amour. Je dis alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Yanis nous dira qu'il y a des moments dans la vie où on a des doutes. Il y a des moments dans la vie où nous souffrons. Il y a des moments dans la vie où le chagrin nous saisit. Où l'on nous annonce de mauvaises nouvelles. Soit pour nous, soit pour nos proches, mais ça nous touche. Mais il y a un jour où tout cela finira. Nos souffrances auront disparu. Nos craintes se seront envolées et Jésus lui-même, n'est-ce pas Yanis, essuiera toute larme de nos yeux. Les cieux et la terre passeront. Oui, Dieu fera toutes choses nouvelles. Tous nos problèmes s'enfuiront pour toujours. La mort ne sera plus. Je bénis Dieu, le roi des rois, lui qui donna sa vie par amour pour moi. Mmh.
toute nation se prosternera. Nous chanterons un hymne à notre Dieu. Quand il ouvrira le livre de vie, je veux l'entendre appeler mon nom. Prépare une place pour toi et moi, et nous vivrons avec lui éternellement. Et je dis non, non, plus. Donne-lui plus tard. Car bientôt je verrai mon sauveur. Je bénis Dieu, le roi des rois, lui qui donna sa vie par amour pour moi. Oui, je bénis Dieu. Je bénis Dieu, le roi des rois, lui qui donna sa vie par amour. Moi. Amen. Alléluia. Ce jour merveilleux viendra et nous aurons l'assurance que celui qui a donné sa vie pour nous ne l'a pas fait en vain. Mais en attendant, nous voici encore sur cette terre de malheur, confrontés à toutes sortes de difficultés, au travail, à la maison, dans le voisinage. Ben, nous avons des menaces aussi sur la planète lorsque deux dirigeants, n'est-ce pas, se disent des choses qui font peur à toute la planète. Et lorsque ça arrive, nous prenons la parole de Dieu. C'est ce que nous allons faire maintenant, au psaume 121. Certains connaissent par cœur et peuvent lire avec nous et dire. On est prêt? On est prêt? Psaume 121? Oui, dans nos Bibles. Alors on ne va pas tout afficher parce que c'est pour que vous ne perdiez pas le contact avec le livre lui-même. On est prêt? Oui. 121. Disons ensemble. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle, celui qui te garde, car il ne sommeille point. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant que le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit, l'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme.
L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Amen. Ah, quelle belle promesse. Quelle belle promesse. Et je vous assure que le Seigneur, lorsque nous lui faisons confiance, réalise ses promesses dans nos vies. Jérémie, l'époux de Yanis, qui vient de chanter, va nous présenter ce chant de manière musicale. Et ça nous laisse le temps de revenir sur ce texte. Gardons les paroles sous les yeux et faisons en sorte qu'elles imprègnent nos cœurs. Je lève les yeux vers les montagnes. Ah!
levons les yeux vers les montagnes et que nous nous posons des questions, la réponse est dans la parole de Dieu. Nous vous inviterons à l'ouvrir quelques instants dans le chapitre de Deux Chroniques, c'est le verset qui a été lu au tout début. Deux Chroniques, chapitre 5. Au verset 2. Comme ce matin, il arrivait que le peuple se rassemble pour fêter au nom de celui qui nous délivre, Dieu lui-même. Et voici ce que nous lisons. Deux Chroniques, chapitre 5, verset 2. Alors Salomon assembla à Jérusalem les anciens d'Israël et tous les chefs des tribus, les chefs de famille des enfants d'Israël, pour transporter de la cité de David, qui est Sion, l'arche de l'alliance de l'Éternel. Ce moment correspond point pour point à notre présence ici. Cette arche de l'alliance, c'est la preuve que Dieu accompagne son peuple, qu'il est présent au milieu de nous. Dans cette arche, il n'y avait plus à ce moment-là les pains, la manne, preuve de la présence au quotidien de ce peuple dans le désert. Il n'y avait plus le bâton, n'est-ce pas, qui avait fleuri, rappel des miracles de Dieu. Il y a une chose qui existe depuis le commencement et qui durera jusqu'à la fin, c'est la loi de l'Éternel. Mais il se passe quelque chose qui nous intéresse. Nous passons au verset 13. Et nous lisons ceci. Tout le monde est assemblé, n'est-ce pas? Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient s'unissaient de même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments et célébrer l'Éternel par ses paroles. Car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Lorsque nous louons Dieu, lorsque nous nous présentons en sa présence, il y a une condition à remplir. C'est celle d'être en harmonie. Des instruments différents, des voix différentes, mais une seule harmonie. L'harmonie, elle n'est pas difficile à trouver. Demandez à votre voisin une question simple. Comment tu t'appelles? Allez-y, c'est maintenant. Vous voyez que vous en aviez besoin, hein? J'en vois qui sont assis depuis un moment, là. Il y a le voisin, la voisine, mais on chante. La géométrie de la foi est à deux dimensions. Il y a la dimension de la terre au ciel, la dimension verticale, mais il y a aussi la dimension horizontale. Nous louons Dieu et c'est parce que nous sommes ensemble que notre louange est puissante. Donc prenons la peine de nous connaître. Prenons la peine aussi de penser que la célébration est plus forte lorsqu'elle est harmonieuse. Au verset 13 encore une fois, lorsque ceux qui sonnaient des trompettes, qui chantaient, s'unissaient de même accord pour célébrer et louer l'Éternel, n'est-ce pas? Pour tout ce qui s'est passé, le verset se termine en disant, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Ce n'est pas facile de marcher ensemble. Ce n'est pas facile. Mais lorsque nous venons en présence de Dieu, si nous nous sommes accrochés dans la semaine, réconcilions-nous avant. Si nous avons quelqu'un qui nous pose problème,
approchons-nous de lui, Matthieu 18 le dit. Car l'adoration passe par l'harmonie. C'est ce que Chandler va nous dire dans quelques instants. Chandler est là, c'est une petite fille de 9 ans, et elle va nous rappeler que pour être prêt, tu peux t'avancer, n'hésite pas, pour être prêt, nous avons besoin d'être en harmonie. Le vœu que je formule pour chacun d'entre nous, c'est que la louange que nous apportons à Dieu soit une louange marquée au coin de l'harmonie. Marchons ensemble, mes amis, tenons-nous par la main et faisons en sorte que le Seigneur nous trouve unis, unis non seulement en tant qu'humains, mais unis dans la foi et dans l'espérance. Donner la main afin que tous ensemble, lorsque demain Jésus-Christ apparaîtra, nous soyons tous du nombre des élus. Merci Jésus, avec toi je ne craindrai rien, ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole en plein midi. Que 10 000 tombent à mes côtés, je ne serai jamais atteinte, car mon Jésus veille, je ne craindrai rien. Avec Jésus, pas de danger. Oh, oh, marchons ensemble, mes amis, jamais nous n'aurons de soucis à travers ce monde troublé. Aimons-nous sans oublier. Oui, tous nous donner la main, afin que tous ensemble, lorsque demain Jésus-Christ apparaîtra, nous soyons tous du nombre des élus. Ce monde n'est pas le nôtre, car mon Jésus nous emmènera. Ne nous y attachons pas, mes frères, gardons l'unité de la foi. Ne perdons pas de vue le salut, afin que tous nous soyons des élus. Quand mon Jésus-Christ apparaîtra, oh oui, nous monterons avec lui. Oh, oh, marchons ensemble, mes amis, jamais nous n'aurons de soucis à travers ce monde troublé. Aimons-nous sans oublier qu'il faut tous, oui, tous nous donner la main, afin que tous ensemble, lorsque demain Jésus-Christ apparaîtra, nous soyons tous du nombre des élus. Ce monde n'est pas le nôtre, ne nous y attachons pas, gardons l'unité de la foi. Jésus nous emmènera.
Marchons ensemble, mes amis. Jamais nous n'aurons de soucis. À travers ce monde troublé, aimons-nous sans oublier qu'il faut tous, oui, tous nous donner la main, afin que tous ensemble, lorsque demain Jésus-Christ apparaîtra, nous soyons tous du nombre des élus. Gardons les yeux fixés sur Jésus. 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 En effet, c'est les yeux fixés sur Jésus que nous parviendrons à vivre cet incomparable amour que Jésus veut partager avec nous. Cet incomparable amour, Sania va nous le dire, n'est pas si difficile à recevoir, car Jésus ne nous fixe aucune condition. Incomparable amour. Je crois que Sania nous rejoint. Oui, nous voulons vraiment que ces jeunes aient cette opportunité de participer avec nous à la louange. Et ce moment particulier pour nous est important car la plupart d'entre eux, au bout d'un moment, ne sont plus avec nous. Et alors qu'ils sont là, nous voulons profiter de leur présence. Incomparable amour. Il a tout.
voulons encourager Sania à poursuivre, car Dieu donne à certains un talent, il en donne à d'autres deux, trois, quatre. Ce qu'il attend, c'est que nous l'investissions pour sa gloire. Nous sommes prêts à dire que cet incomparable amour nous concerne. Et nous sommes venus ici car nous croyons que cet amour nous concerne, mais nous pouvons le partager. C'est la raison pour laquelle, ensemble, nous dirons que c'est auprès de Dieu. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Car cet amour, je veux le partager. Je veux le vivre dans ma vie de tous les jours. Je veux dire au Seigneur combien sa présence dans ma vie est centrale. C'est auprès de Dieu. Nous chantons ensemble. Les paroles s'affichent. Je sais que ce sont des paroles que vous connaissez déjà, pour la plupart d'entre vous. Nous dirons la strophe. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est bon, Seigneur. Disons-le encore une fois. C'est auprès de Dieu que je veux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son. De Dieu. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je veux ressentir tout l'amour qu'il a. Je veux rester près de toi. Encore une fois, disons-le. Je veux rester près de toi. Jamais sans Jésus. Jamais sans Jésus. Vivre cette expérience de foi. Jamais sans Jésus. Et j'aimerais être sûr ce matin que vous ressentiez sa présence ici, dans ce lieu. Aujourd'hui, nous avons des révélations en tant qu'adventistes du septième jour sur le sanctuaire. Ce sont des révélations particulières. Le terme lui-même renvoie tout simplement au lieu où nous rencontrons Dieu. C'est un lieu qui est mis à part. Et aujourd'hui, nous voulons chanter avec vous ces paroles, car nous pensons que vous avez ressenti la présence de Dieu dans vos cœurs. Il y a une douce harmonie.
dans le sanctuaire. Alors là encore, nous allons compter sur votre mémoire. C'est le mois d'août, hein? Ceux qui ont la 3G pourront aller chercher ces paroles. Ok. Marie-Laure va nous aider. La première strophe dit quoi? Il y a une douce harmonie dans le sanctuaire. Et la première strophe qu'on oublie souvent, c'est pour casser le joug et porter nos fardeaux. Et à la deuxième strophe, ce qui change, c'est pour nous donner l'espoir et nous relever. Mais nous vous aiderons, nous sommes chantres. Absolument. Nous vous aiderons. On est prêts. Si vous ressentez cette harmonie, dites-le. Sentez, dites-le encore. Il y a un cœur dans cette atmosphère. Dans cette atmosphère. Viens déposer les fardeaux que tu portes. Les fardeaux que tu dans le sang. Disons-le encore une fois, il y a une douce harmonie. Il y a une douce harmonie dans le sanctuaire. Harmonie dans le sanctuaire. Il y a un calme. Il y a un calme dans cette atmosphère. Dans cette atmosphère. Viens déposer les fardeaux que tu portes. Viens convaincu, dites-le fort. Il est là, Dieu est là. Pour casser le joug. Et porter nos fardeaux. Être convaincu, nous le dirons à nouveau, il est là. Il est là. Dieu est là. Pour casser le joug et porter nos lourds fardeaux. Pour casser le joug et porter tes lourds fardeaux. Il est là. Gloire à Dieu. Amen. Jamais sans Jésus. William nous dira
que dans toutes les circonstances de la vie, il nous faut nous souvenir qu'il ne faut rien faire sans Jésus. Parfois, nous nous comportons comme si il ne voyait que ce qu'on voulait bien lui montrer. Mais il voit tout. C'est la raison pour laquelle nous pouvons nous approcher de lui avec assurance et lui dire, tu as vu, me voici encore devant toi pour te demander ta grâce, ton aide, pour qu'enfin je puisse être délivré de ce lourd fardeau. Jamais sans Jésus, c'est l'histoire de cette personne qui, parfois, peut-être que certains se reconnaîtront, mais c'est l'histoire de ceux qui, parfois, pensent que Dieu les a abandonnés. Que vu les circonstances, c'est même pas la peine d'essayer. Et l'ennemi, c'est sa spécialité. C'est de venir et faire en sorte que dans nos pensées, le trouble s'installe et que nous ne soyons pas en capacité de nous rapprocher de Dieu, de lui demander pardon et de croire qu'il nous a pardonné. Alors William nous dira que rien ne doit être fait sans Jésus. De celui qui m'a aimé, moi j'étais abandonnée, tu m'as relevée. Quand je n'osais plus y croire, tu m'as redonné l'espoir. Sur mes peurs, sur mes déboires, oui j'ai la victoire. Sans Dieu ni maître, j'ai bien tenté d'avancer. J'étais aveuglé, perdu, tu m'as retrouvé. Avec toi pour avancer, Jésus, je veux m'engager. Pour t'écouter, te parler, je veux t'adorer. Non, je et pour
Alléluia. Et quand les jeunes s'expriment ainsi, nous sommes heureux, car ils disent quelque part que leur projet, leur destin, ils le confient à Dieu. Nous souhaitons à Willia du succès alors qu'elle va partir pour ses études, d'autres encore. Notre batteur d'ailleurs est parti, parce que ce sont des jeunes qui vont s'absenter pendant quelques temps et il vaut la peine de les encourager. Il y a une jeune qui est revenue maintenant, après un séjour en métropole que nous avons déjà entendu. Elle s'appelle Yanis, elle est mariée, elle s'appelle César, Yanis César. Et la voici, docteur, nous sommes heureux que tes études aient réussi. Nous entendrons de ta part que notre aide vient de l'Éternel. Si nous nous appuyons sur notre Père, quels que soient nos parcours, quelles que soient les difficultés que nous pourrions rencontrer, le Père est toujours présent et le Fils directement à nos côtés. Notre aide. Tu peux prendre un autre micro, s'il te plaît. Prends un autre micro. Lequel? Merci. Un, deux. Celui-là? Un petit peu.
je sais qu'il m'emmènera vers lui. Je mets en lui ma confiance, car il me gardera jusqu'à la fin. Le Dieu Tout-Puissant que nous servons est prêt à voler à notre secours. Il nous reste maintenant à entendre et participer quelque peu à un chant. Et ensuite, nous nous lèverons et dirons que Christ est notre rocher, mais avec notre âme, avec toute l'expérience de ce qu'il aura fait dans nos vies, individuellement, que ce soit un témoignage personnel et collectif. Et avant cela, avec Marie-Laure, nous voulons dire que Dieu est tout-puissant, que Dieu, notre Créateur, si nous prenons la peine de le faire en sorte qu'il soit dans nos vies, ce n'est pas difficile. Chaque jour, un temps passé dans la méditation de la parole, un temps, et Dieu répond aux prières. Qu'il soit présent dans nos familles, qu'il soit présent dans nos vies personnelles lorsque nous sommes seuls, et nous verrons qu'il fait toute la différence. Dieu Tout-Puissant. Préparez-vous au premier refrain. Nous allons participer avec Marie-Laure et nous la laisserons nous emmener ensuite vers cette glorieuse attente qui est celle de rencontrer notre Seigneur Jésus. Cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre. Le clair matin ou les ombres du soir, avec moi de tout mon être, de tout mon être. Alors s'élève un chant, Dieu tout puissant.
couronne et le de la croix. Car ta pensée éternelle et divine. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Je souhaite que chacun fasse l'expérience de cette toute-puissance dans nos vies. Que celui qui règne dans nos vies soit le Père. Que celui à qui revienne la gloire soit également le Père, le Fils, l'Esprit. Et que cela soit au siècle des siècles. Nous allons nous quitter. Non sans avoir dit que celui sur lequel nous nous appuyons, c'est le rocher des siècles. Prenons déjà nos cantiques. Hein. Le numéro, c'est le 618. Vous avez toutes les informations. Le 618. Le 618. On est prêt? Nous dirons à quel point nous sommes heureux de nous appuyer sur le rocher. Je voudrais faire quelque chose de particulier. Avant que vous ne vous leviez, j'aimerais voir le nombre des jeunes ici présents qui s'apprêtent à s'en aller, à partir pour études. 1, 2, 3, 4. Oui, 5. Le batteur est là. Il y en a qui vont vers le Canada, il y en a d'autres qui vont vers l'Europe. J'aimerais vous demander de vous lever. Ces jeunes, levez-vous. Nous allons faire pour vous une prière particulière. Allez, on se lève. Ça va? Oui? Oui, oui, allez-y, allez-y. Même si vous n'êtes pas de notre église, vous avez le droit de vous lever. Ça va? Tous ceux qui s'en vont, tous, oui, mettez-vous debout. N'ayez pas peur, car l'endroit où vous allez est un endroit rempli de risques. Et ce que nous voulons, c'est prier pour votre sécurité spirituelle. Que le rocher des siècles soit celui sur lequel vous vous appuyez toujours. Il y a quelqu'un sur la chaire aussi qui va certainement se lever. N'est-ce pas, Karen? Inclinons la tête. Merci. Et ceux qui sont encore plus timides, vous pouvez vous lever pendant cette prière. Dieu Saint, c'est à toi que nous nous adressons aujourd'hui. La Guadeloupe, la Martinique, la Guyane voient souvent partir les jeunes qui ne reviennent pas. Ce que nous voulons te prier de leur accorder en ce matin, c'est une bénédiction particulière pour qu'en toutes circonstances, ils sachent que tu assures leur sécurité spirituelle.
s'appuyant sur toi toujours, ils verront le succès les accompagner chaque jour. Et c'est ce qu'en tant que parents, en tant qu'amis, en tant que frères, en tant que membres de la communauté, nous voulons leur souhaiter. Bénis leurs projets et fais que le sabbat soit pour eux l'occasion de prouver que ton alliance est éternelle et que la puissance c'est toi qui l'as. Que le règne t'appartient également et la gloire aussi au siècle des siècles. Bénis leur départ et bénis leur arrivée jusqu'à ton retour. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Maintenant, vous pouvez rester debout car nous allons chanter avec vous que Christ est notre rocher. Christ est mon rocher. Petit changement de ton à la deuxième partie. Ne vous laissez pas surprendre. N'est-ce pas, Pipo? La lumière est mon sauveur, je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien, de qui pourrais-je avoir peur? Même si la tempête est même si la tempête fait rage, au plus fort de l'orage, si mon cœur est soufflé, recevons la bénédiction du Seigneur. Alors que nous allons nous séparer, non sans nous être salués, nous voulons te dire, Père, que nous avons ce matin ressenti ta présence dans ton sanctuaire. Merci de rester dans nos vies. Merci de nous donner la foi à chaque instant, que nous puissions nous confier en toi, nous appuyer sur toi en toutes circonstances, car tu as déjà gagné le combat. Père, alors que nous allons nous séparer, nous voudrions te supplier de jeter sur nous un regard favorable. Tourne ta face vers nous et accorde-nous ta grâce et que ta paix soit présente à chacun de nos pas. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Que la grâce et la paix du Seigneur soient sur vous. Toujours sous le cantique célébré. Que la grâce
et la paix du Seigneur soit sur nous, qu'il bénisse nos cœurs, nos actes et nos pensées. À lui seul soit la gloire, la puissance et l'honneur, aujourd'hui et à jamais. Que l'Éternel fasse lui sa face sur nous, qu'il nous conduise pas à pas sur notre chemin, que sa lumière éclaire tous nos lendemains pour l'éternité. Amen. Que sa lumière. Que sa lumière éclaire tous nos lendemains pour l'éternité. Amen. Pour l'éternité. Pour l'éternité.